Bonjour à tous. D'abord, ravi de vous revoir. Et puis, je suis, on va dire, un petit peu surbookée au niveau des vidéos en ce moment. Je vous laisse imaginer pourquoi, non? Je vais essayer de terminer le mois de novembre avec deux vidéos. Celle-ci, plus au moins une qui arrivera fin du mois de novembre. Si j'ai le temps de la faire, ce sera une petite surprise pour vous, et après une petite pause pour les fêtes, je pense que tout le monde en aura besoin. Donc, je vais vous présenter le livre Mon Book Mode à colorier de chez Megastar. Ça se trouve en marchand de journaux. Ça coûte normalement 4 euros. Donc, moi, vous voyez qu'il y a une petite réparation fortuite parce qu'il a été déchiré au niveau de la couverture. Donc, moi, je l'ai eu dans les solderies 90 centimes de mon marchand de presse, un petit côté pratique. Alors, tout d'abord, les mauvais points, tant qu'à faire. Alors, déjà, on voit 80 pages à détacher, ça pourrait nous laisser penser qu'il y a 80 coloriages. Ce n'est absolument pas le cas, il y a 40 coloriages, puisque c'est un bloc qui n'a un coloriage que sur une face, et de l'autre côté, vous avez une petite phrase un peu historique sur la mode, etc. L'autre mauvais point de ce livre que je pourrais citer, il n'y en a qu'un en fait, c'est justement le fait que ce soit détachable. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais le détachage arrive pile dans les fameux badges à colorier. Donc il y a environ quelques photos hein, comme ça, ce n'est pas le cas de tous les dessins, mais on va dire que j'ai noté environ 5 coloriages qui sont comme ça coupés par la découpe. Ensuite, les bons points. On va pas mettre le prix parce que je trouve que 4 euros c'est quand même un petit peu exagéré pour un livre comme ça. Sinon, vous avez un morceau de carton derrière, donc ce qui permet de colorier absolument partout. Le côté détachable, ni le mettre en bon ni en mauvais point. Le papier est très épais, par contre, ça c'est un très bon point. Et comme il n'a qu'une seule face, vous pouvez vous faire plaisir avec des feutres, même avec de la peinture, si vous protégez l'arrière ou si vous détachez à l'avance le dessin, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, on va dire pour les bons et les mauvais points. Les dessins sont pas mal. Ils méritent d'être. C'est marrant parce que vu le bloc, on croirait que c'est quelque chose pour les enfants. Mais si vous aimez un petit peu le côté, un petit peu manga, des choses comme ça à dessiner, je pense que ça va vous plaire. Surtout si vous arrivez à faire maintenant des petits effets avec vos crayons. Donc, je vais vous présenter les 40 dessins qui sont à colorier. Alors, tout sur l'automne, hein. Donc c'est marqué automne 2016. Donc je suppose qu'il va y avoir 2, 3, peut-être 4 books si ça fonctionne par année, en fonction des saisons, bien entendu. J'aurais aimé qu'il y ait plus de portraits. Par contre, il y en a pas mal, mais encore plus, ça aurait été génial. Moi, ce que j'adore faire en style mode vêtement, c'est les portraits. Avec des plain-pieds, c'est excellent. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Donc là, il est assez, on va dire, mélangé pour que tout le monde y retrouve un petit peu son compte dans le bloc. Un peu plus de haut parce que ça brille un petit peu. Le papier est très très blanc, donc pas de problème que la couleur du papier influe sur le coloriage. Ça arrive de temps en temps, le papier un peu jaune, mais là il est vraiment très très blanc. Vous voyez, il est même reluisant.
je m'excuse une petite seconde. Les aléas. Voilà. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, c'est un format A4 à peu près, hein, pour les dessins. C'est vrai que comme ça, on pourrait penser qu'il est assez petit, comme tous les autres blocs, mais non, ce sont de belles, belles pages, presque A4. Et voilà la dernière page. Voilà, un petit bloc bien sympathique. Si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas. Ça peut toujours faire passer le temps en attendant les cadeaux du Père Noël au pied du sapin. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne journée, de bons coloriages à tous. Coloriez pour moi surtout, parce que moi, je n'ai plus le temps de prendre mes crayons en ce moment et ça me manque. Alors, surtout, n'hésitez pas à me poster vos petits coloriages, ça me fera très, très plaisir. Voilà, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux encore répondre assez rapidement au message, ça, il n'y a pas de problème. Et je vous souhaite à très bientôt en espérant que j'arrive à faire la vidéo pour lundi prochain. Et voilà, bonne semaine à tous !